Bonjour à tous, ici Piccolo, le crémeux, yo tout le monde, dans une toute nouvelle vidéo sur un jeu qui s'appelle Skyrim, pour ceux qui ne connaissent pas. Pas bien long, faut que je fasse comme à l'habitude quand je suis pas mon live. Ah merde, j'ai une sur mon téléphone. Non, qu'est-ce que je fous là? Yeah! Let's go! Pourquoi pas? Hola, hola, le, la, lu. Ok, salut, on est prêt. Pour du Skyrim, appuyez sur une touche. Doviskam. Dovahkiin. Dovahkiin, ça faisait enfant dragon en latin, je crois. Voilà, là, là, là. Ouais, donc j'ai mis d'autres modes en passant. Celui de Sophia, je me trompe pas. J'en ai mis. Je sais plus c'est quoi toutes les modes. Alors, je vais tester le baiser. Baiser fatal. Juste l'option embrasser. J'essaie de rester à l'écart lorsqu'il commence à se bagarrer. Ah bah si moi j'ai un coup de poing, ça y est, toi t'es KO tout de suite. S'il te laisse pas de chance. Ta-ra-la-la-la. Ah elle là. Beauté. C'est quoi le putain pour l'embrasser? Encore là. Passez devant. Allez, comment je fais pour embrasser? Allez, on est un petit pilar. Sur les elfes noirs, pourquoi pas? Pourquoi pas? On va tout voler.
On va sauvegarder ici au cas où on se fasse poigner. Et on veut cet arc. Non, allez. Damn. Puis au moins personne ne m'a pas nié, je te sais qu'il y avait quelqu'un à m'installer. Donc là on a un arc elfique. Arc nordique antique, non c'est pas lui. Elven bow. What the fuck up, Didier? Mais j'entends toujours l'appel du sang. Comme nous tous, c'est notre fardeau. Mais nous pouvons nous en défaire. Nous sommes à la fin. Et je doute que le reste se passe bien. Laissez ces faits. Un expert d'objets volés. Oh. Ok. Combien d'or ai-je? 3000. Ces visiteurs ambitieux. Vous croyez que vous pouvez vous permettre de vous joindre à nous comme ça? Ici, les plus inspirés vous parleront d'honneur et de gloire. Je n'ai rien contre. Mais pour moi, c'est la promesse de récompense qui anime mon épée. Si quelque part en bord de ciel, quelqu'un n'est pas de taille à défendre son honneur, nous lui proposons de nous remettre son fardeau. Il y a toujours de bonnes raisons de se battre. J'aimerais que ce soit aussi vrai pour cette guerre. Si quelqu'un veut vénérer un dieu disparu, qui s'en soucie? Je veux une bonne raison d'abattre ma lame. Selon Farkas, notre père nous a élevés ici comme des chiots bienheureux, qui couraient partout en mordant des mollets. J'aime mon frère, mais il faut avouer que la réflexion n'est pas son fort. C'est Yergen qui nous a amenés ici. Peu importe s'il était notre père ou non. Il est parti combattre dans la Grande Guerre et n'est jamais revenu. Il ne fait plus partie de ma vie. Cependant, nous avons vécu ici aussi loin que remontent nos souvenirs. Alors, montrez un peu de respect. J'ignore si vous en êtes digne, et je n'ai pas le temps de m'en assurer. Si Kodlak vous recommande, j'aurai peut-être du travail à vous confier. D'accord. Quelqu'un entre dans notre hall. Vraiment? Attendez, laissez-moi vous regarder. Oui, pourquoi pas? Je sens chez vous une certaine force d'esprit. Pas vraiment l'intention de l'accepter. Je ne suis le maître de personne, Vilkas. Et aux dernières nouvelles, Yambas accueille toujours ceux dont le cœur brûle d'un feu dévorant. Mes excuses. Mais ce n'est peut-être pas le bon moment. Je n'ai jamais entendu parler de cette personne. De grands guerriers viennent parfois nous voir. Mais des hommes et des femmes en quête de leur propre grandeur viennent aussi. Nous ne faisons aucune différence entre eux. Ce qui importe, c'est leur cœur. Et leurs bras. Bien sûr. Comment vous défendez-vous, mon garçon? Vous osez me remettre mes talents en question? On se calme, voulez-vous? Il n'y a aucune raison d'en faire des tonnes pour nous impressionner. Vilkas, ici présent, va tester votre bravoure.
Vilkas, conduisez-le dans la cour pour voir ce qu'il sait faire. Ouais. Il n'y a pas de maître, pourtant il est quand même maître. Anyway, Vilkas. Can I take that? Vous avez pris des biens ne vous appartenant pas. Allez payer votre dette et je tirerai un trait sur cette histoire. Oh, ok. Je m'excuse. Gardez la tête haute. Cela ne se reproduira pas, j'en suis sûr. Hey, j'ai un spectateur seul à toi, mon ami. À la prochaine fois. Hey. Pour chasser avec moi, vous devez avoir le pied léger et l'œil. Ouais, elle est belle, man. Elle a une belle armure là-dedans. Ma mère était membre des Compagnons. Sa mère également, ainsi que toutes les femmes de ma famille, à commencer par Roti Noirlam. Mon père m'a élevé dans les bois jusqu'à ce que je sois en âge de passer mon épreuve. Nous avons chassé toutes les proies possibles et imaginables. Wow. C'était un bon entraînement. J'ai perdu ma mère avant de rejoindre les Compagnons. Mais je me bats pour l'honorer, elle et toutes les sœurs d'armes qui m'ont présenté. Le spectateur, that's it. De Vakin 7, salut. Ça va? J'espère que ça va. Dans ce cas, je m'en vais. C'est ça, va-t'en. Donc là, on va faire les quêtes des Compagnons. Ben, vite fait, pour s'introduire dans les Compagnons, jusqu'à temps qu'à devenir un loup-garou. Faire le temple. Ben, à JB, je pense, ça s'appelle. Après ça, on va aller visiter les Grises Barbes. Puis dans. Je sais pas, parce que là, présentement, il me reste. Nickel, et toi? Ah, ça va bien. C'est ça, donc ma vidéo, je vais la faire jusqu'à 11h30. Parce qu'ensuite de ça, il faut que j'aille magasiner. Hey, tu te bats dans le vide, là, toi, là. Arme. On va prendre ça. Le vieux Kodlak m'a demandé de vous jauger. Ouais. Alright, let's go. Je vois votre posture. Ne vous en faites pas, je peux encaisser. Bonne journée. Quoi? À cause que je l'ai brûlé? Non, t'es sérieux là? Aïe aïe. J'aurais pas pensé qu'il le brûlé, ça l'aurait fait changer de camp là. Ok, on va recommencer ça. On a acheté White Run. Let it go. Le vieux Kodlak m'a demandé de déjauger. En effet. J'ai enlevé ma magie pour faire ça, de pas l'accrocher puis lui péter la face là. Je peux-tu mettre. Oh ben c'est Tata. Ouais, je savais pas que je peux mettre deux armes. Toi, tu restes là. Je vais monter la garde ici. Yeah! Pas trop mal. Je tiens à donner un coup. La prochaine fois. Vous ne vous en sortez pas. C'est pas bien tough, là. Mais pour l'instant, vous êtes moins que rien pour nous, novices. Ta gueule, je t'ai collé ce volet. Voici mon épée. Apportez-la à Eorlund pour qu'il l'aiguise. J'ai pas vu ton épée, là. Faites attention, elle vaut plus cher que votre vie. T'es un vrai enfant de chienne, toi. J'étais un enfant de dragon, je joue plus chat que toi. C'est la première fois que je vous vois. Je vous ai à l'œil. Ouais, c'est ça. Et moi à l'œil. Tiens. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous voyez, moi je m'appelle Jésus, je suis capable de marcher dans l'arbre. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vilkas m'envoie avec son c'est épée. Vous qui venez d'arriver alors? Oui. Est-ce que Vilkas est toujours. Est-ce que Vilkas qu'on fait toujours des courses au nouveau? Je fais ce qu'on veut. Oh, ne vous mettez pas Martel en tête. Ils ont. Dès qu'il a rangé son arme, tu l'as retapé. Fallait pas. Ah, ok. Je savais pas ça, j'avais pas remarqué. À tout ce qu'on vous dit. Personne ne dirige les Compagnons. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un dirige. Vous êtes un compagnon? Je ne suis pas un compagnon moi-même.
mais aucun d'entre eux ne sait faire tourner une forge correctement. Alors j'ai l'honneur de les saluer. Je m'appelle Eorlund de Gris-Toison. Je travaille à la Forge Ciel. On produit le meilleur acier de tout bord de ciel, de tout Tamriel. Faut bien qu'il y ait 15 riches. Ils se sont débrouillés, mais ils ont réussi. Il n'y a eu aucun chef depuis Nisgramor. Aucun chef. Kodlak est le héros, une sorte de conseiller pour le groupe tout entier. Mais chaque homme est son conseiller. Benji. Pas de même pour les femmes. Faut que j'y aille. J'ai un service à vous demander. Oui. Qu'y a-t-il? Je travaille sur un bouclier pour Aella. Ma femme est en deuil et je dois retourner auprès d'elle rapidement. Je vous en serai reconnaissant si vous pouvez porter ceci à Aella de ma part. Ah ouais, pourquoi pas. Alors qu'il fallait pas être si servile. C'est toujours un plaisir de pouvoir donner un coup de main. Merci, bravo. Au moins, lui me fait confiance. Ouf, néon. Yorvaskr. Là, faut j'avoir Vilkas. Vous avez une autre question, j'imagine? En effet, non, c'est pas vrai. Tu peux te fermer ta gueule puis rester là. J'ai plus rien à te dire. Benji, en bas! Désolé, mon chien, il fait le con. Mange la litière. Ok, on va aller voir. Ah, elle est là, la chasseuse. Avez-vous peur que l'un d'eux... Pour chasser avec moi, vous devez avoir le pied léger. J'ai votre bouclier. Je l'attendais. Venez-vous d'arriver ici? Oui. Je vous l'ai dit. C'est la recrue dont parlait Vilkas. Je peux pas répondre à ta question, ouais. Ah oui. On dit que vous lui avez donné une sacrée correction. Que Vilkas ne vous entende jamais. Vous sentez-vous de taille à affronter Vilkas en combat? Ben oui, voyons donc. I will... Kill him before the Drew is sword. Oh! Ne vous emballez pas! Nous ne sommes pas des tendres, mais nous ne tuons pas nos frères d'armes pour une simple dispute. Mais j'aime votre fougue. Vous aurez votre place au sein des compagnons. Nous devrions chasser ensemble, à l'occasion. Ouh! Venez! Farkas va vous montrer où vous pourrez vous reposer. Alright. Farkas! Vous m'avez appelé? Évidemment! Cervelle gelée. Montrez à la recrue où les autres novices se reposent. Vous êtes novice? Bonjour, je suis Farkas. Salut. Venez, suivez-moi. Ok. Cet endroit est réservé aux guerriers. Que cherchez-vous? Skior et Aella aiment bien me taquiner, mais ce sont des gens bien. Ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. Yeah. C'est agréable de voir une nouvelle tête. Parfois on s'ennuie ici. Ouais, surtout quand tu fais écœurer par tout le monde. C'est une vie qui peut être éprouvante. Les quartiers sont là-haut. Choisissez un lit, vous pourrez vous affaler dessus quand le sommeil vous gagnera. D'accord. Ma assurera le ménage. Elle a toujours fait. Comment vous sentez-vous? Très bien, vous voilà. Les autres sont impatients de vous rencontrer. Il y a quelqu'un. Bonne chance. Lié à quelqu'un? Mais ouais, mais le soir d'abord, je dormirai pas. En fait, si vous ne savez pas quoi faire, nous avons reçu une lettre d'Estemarche réclamant des renforts. J'ignore la raison d'être de ce combat. Et de toute façon, ce ne sont pas nos affaires. Ce que je veux, c'est que vous vous rendiez là-bas, que vous jouiez les gros bras, et que vous forciez ce buveur de lait à se soumettre. Rien de plus. Je ne veux pas entendre parler de meurtre, c'est compris? Compris. Essayez de ne pas trop vous emporter. Québécoise, salut. Québécois, ça s'entend. Oui, je suis québécois. En effet, ça s'entend dans l'accent. Salut, Twitmas 245. Oui, je suis un québécois, un real. Ok.
faut aller voir le buveur de l'île. Il est où? Ils sont rendus sur le top de l'armoire en haut de la toilette. T'es vois-tu? Ok, on va aller voir ce buveur de lait là. Intimidate on a deal in Windelm. Oui, c'est ça, Windelm. Pourquoi toi, Twitmus, t'es-tu français ou. Ou t'es québécois aussi? La musique est bonne, j'aimerais ça jouer une musique devant ma guitare. Ok, attends, ça mène où cette quest-là? Le Windelm, c'est où au juste? Ah, c'est à Vendôme. Intimidate, Unundeal. C'est vrai, moi je vais pas faire de voyage rapide. Donc, on y va à la marche. Mais attends. Avant, fallait que j'aille voir les grises barbes, hein? Moi, dans 30 minutes, je décroche. Juste pour information. Les grises barbes, eux autres, c'est ici. Mais au fait, c'est où, là? Pas dans la montagne, ici? Ah oui, c'est là. Ok, je m'étais trompé. Juste là. Oh, roi targ. Alright, let's go. C'est parti. On y va. Après, quasiment s'acheter un cheval, là, avec les sous qu'on a. Je sais pas si j'ai mis le mode de Sophia, je m'en souviens plus. On va savoir tout de suite, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous voit ici? Pas personne qui nous voit, moi. Ok, ici, y'a personne qui va nous voir, par exemple. Hé hé, le truc pour avoir des chevaux gratis. Ferme de Palladia. Raccoon. L'arc, il a l'air tata pour vrai, là. Hydromellerie d'hydrunning, nouvelle découverte. Ah, c'est là qu'ils font l'hydromel nordique. Cool. On se promène. Hop, moi je viens de buggy. Merde, t'es pas sérieux.